C'est ici, à l'hôtel de la préfecture de la Likwala, qu'a été donné le coup d'envoi de la campagne de commercialisation du cacao jeudi par Léa Désirée Bambouli Ondongo, secrétaire générale du département de la Likwala. La Likwala, l'un des départements producteurs du cacao, a vu le prix du kilo de cette denrée à la hausse cette année 2024-2025. Pour être précis, 1 kg de cacao sera vendu à 2400 francs CFA au lieu de 700 francs CFA. Une augmentation du prix de cacao qui suscite la joie des planteurs qui se souviennent des bons moments de la vente du cacao et du café dans la Likwala. À cette occasion, le directeur départemental de l'agriculture de la Likwala a exhorté les planteurs de cacao à multiplier davantage les plantations cacaoyères pour une grande production. C'est pour moi un grand privilège aujourd'hui de nous réunir ici pour cet événement qui a une importance capitale dans notre département de la Likwala. Il s'est inscrit à l'occasion de l'ouverture officielle de la campagne d'achat du cacao marchand campagne 2024-2025. Monsieur le secrétaire général, comme cela est de coutume, chaque année, nous nous retrouvons pour célébrer l'ouverture de la campagne avec les opérateurs économiques. Hier, le prix du kilogramme campagne 2023-2024 était fixé à 700 francs CFA. Mais aujourd'hui, je tiens à vous signaler qui, au terme du débat futur d'un commun accord entre les différentes parties, le prix du kilo est fixé à 2400 francs pour la campagne 2024-2025. Toutefois, les planteurs de cacao se disent prêts à mettre en œuvre la recommandation du président de la République, Denis Sassou Nguesso, sur la politique de reprise des activités de l'agriculture climato-intelligente. Cette recommandation leur permettra de rajeunir les plantations et d'obtenir les résultats probants dans le cadre de la production agricole, notamment dans le domaine de la production cacaoyère. Signalons que cette cérémonie a eu lieu après une concertation entre le directeur départemental de l'agriculture, le représentant du conseil départemental, les opérateurs économiques, le bureau et l'association des planteurs de cacao.